Salut à vous, amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Et désolée du retard, j'ai oui beaucoup de retard. Donc je suis désolée, j'espère que vous allez me pardonner. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant. Allez, on y va de suite, je pense que vous avez assez attendu. Allez, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies du mois de décembre qui a déjà bien démarré, je suis d'accord. Amis Capricorne, et bien décidément, les cartes, elles ont sauté dans tous les sens. Est-ce que vous êtes dispersés ce mois de décembre? Alors, ici, on nous dit que votre intuition, qui est de plus en plus forte, vous invite à couper, soit avec un passé, à couper un lien qui vous empoisonnait la vie. Alors, ça peut être un lien avec votre mental, votre ego, avec des valeurs, une sous-estimation. Les personnes, tout simplement. Mais en tout cas, on sent que vous êtes poussé ici vraiment à vous libérer, à couper de tout ce qui est toxique. Comme si que là, voilà, on s'éloignait, on prenait de la distance avec des personnes qui ne vous veulent pas du bien, des choses qui ne sont pas positives. Et en plus de ça, peut-être aussi avec des situations qui vous ralentissaient. On coupe peut-être avec d'anciennes habitudes ou en tout cas... Avec ce boulet que vous aviez certainement au pied pour certains. Donc, c'est clair, c'est net, c'est précis. On décide de faire confiance à ses ressentis et on coupe le lien avec certaines personnes. Vous avez au centre de votre tirage deux chakras qui peuvent être déséquilibrés, ce qui peut engendrer des petits soucis au niveau digestif, au niveau urinaire. Alors, on peut être angoissé par quelque chose. On a le chakra sacré et le plexus solaire qui peuvent représenter vos émotions profondes. D'ailleurs, c'est peut-être avec ça que vous coupez, hein, une émotion profonde, hein, peut-être de la colère ici, pour vous retrouver et surtout pour vous libérer d'anciens blocages karmiques. En tous les cas, vous êtes très bien protégés. On parle de défunts. On peut avoir ici des capricornes. Blablabla, capricornes. Qui sont très très ouverts à la communication, notamment avec des guides, avec des anges, avec l'au-delà. On a en tout cas la médiumnité et la protection. Moi, je vous sens. Ah, vous avez votre bonne étoile. Voilà ce que j'entends. Vous savez que vous avez une bonne étoile. Et je pense que vous avez déjà sorti cette phrase ou vous allez la sortir. Allez, j'enchaîne. On y va avec l'oracle des énergies pour vous. Ouh, ami Capricorne, je crois savoir d'où va venir les liens toxiques à couper. Là, ce que je vois vraiment, quand on voit partir tempête en vue, communauté, je ne sais pas comment s'annoncent vos fêtes de fin d'année, mais il risque d'y avoir des secousses. Alors, je dis fêtes de fin d'année, pourquoi? Parce que tout le monde est peut-être un peu fatigué, hâte d'être en vacances, et ça peut être un dialogue parfois agressif, ça peut être aussi en famille, hein, sur des fêtes, sur des moments. Mais là, on voit, soit on laisse partir quelqu'un, soit c'est vous qui allez partir parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui pue, vous en avez l'intuition, la tempête en vue, ben voilà, elle est là. Et ça rejoint un groupe de personnes, c'est dans un milieu, dans un groupe de personnes où des personnes vont se réunir. C'est peut-être lors d'un événement, hein, peut-être l'événement de Noël, ou un autre événement, anniversaire ou autre. Bref, il risque d'y avoir du remue-ménage avec certaines personnes et on voit avec la carte des hostilités que je pense que ça va tacler, ami Capricorne, sur ce mois de décembre. C'est peut-être pour ça qu'on a la colère et qu'on a les émotions qui remontent. Ici, il y a quelque chose dans lequel vous allez devoir faire preuve de discernement et peut-être pas vous emballer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que derrière cet événement, pour moi, on coupe définitivement des liens avec certaines personnes. Allez, on y va, chers amis. On va aller voir tout de suite votre tirage général. J'ai presque envie de dire, vous n'échappez pas à la règle de presque tous les tirages que j'ai faits, donc 11 tirages. Sur l'énergie de la trahison, c'est un petit peu l'énergie, je crois, du mois de décembre, de cette fête, de ces fins d'année, cette fête de fin d'année, c'est bref, de cette fin d'année. Voilà. Donc, on a bien vu qu'il y avait des hostilités. On y va. Votre force ici,
Bon, alors là, on voit que vous pouvez prendre appui sur peut-être un nouveau CDI, un nouveau contrat. En tout cas, il y a un engagement vers quelque chose qui est nouveau. Ça suscite chez vous de l'adrénaline et ça vous fait du bien. Peut-être que certains vont partir à l'étranger, vont voyager, vont enfin décrocher un contrat à l'étranger. Pour d'autres, on va être peut-être sur des déménagements qui vont être, je dirais, dans un département ou dans une région différente de là où vous êtes. Dans tous les cas, vous avez de la nouveauté qui arrive et ça, vous en faites votre force, vous vous appuyez énormément dessus sur ce mois de décembre. Votre faiblesse. Nous avons les amitiés. Alors, on a bien vu qu'il y avait des hostilités en communauté, donc on peut nous parler effectivement de querelles et de conflits entre amis, mais j'irai plus loin, ça peut aussi aller en famille. La trahison, bah voilà. Est-ce que votre amitié est bien soudée? J'ai presque envie de vous dire, s'il y a des liens qui doivent être coupés, bah c'est comme ça. Et voilà, on a toujours quelque chose à apprendre d'une situation. Ce que je vous conseille, dans tous les cas, c'est de communiquer. Peut-être d'abord de passer peut-être plus par des communications écrites que par l'oral, parce que des mots peuvent être fusés, peuvent fuser. Une tonalité peut être mal interprétée. Donc peut-être passer par message. En tout cas, vous allez devoir communiquer. On vous invite à communiquer, peut-être à prendre le téléphone. Votre défi, le voyage. Plusieurs choses. Déjà d'une, on peut nous parler que ça peut être compliqué de voyager parce qu'il va falloir choisir la bonne direction. Bon, ok. Mais c'est surtout là, c'est déjà prenez de la hauteur, regardez déjà tout ce que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Et je ne sais pas en quoi consiste la trahison. On a des enfants ici, fatalité. Alors ça peut être en famille, en lien avec des enfants ou des amitiés d'enfance. En tout cas, ici, on vous invite à prendre de la hauteur et voir déjà tout ce que vous avez accompli. Pareil, quand il y a une situation conflictuelle, c'est bien parfois de ne pas répondre de suite, peut-être privilégier les communications écrites avant de s'extirper de la situation et voir comment on pourrait améliorer les choses. Énergie principale, c'est la mise à distance. Là, et j'ai l'amitié juste au-dessus. Il y a vraiment une prise de distance avec certaines personnes que vous commencez à comprendre, qui sont nocives pour vous. Voilà, c'est vraiment ça. On a des personnes qui ne vibrent plus, voilà, qui ne vibrent plus comme vous aviez vibré. Vous avez changé, eux aussi. Et maintenant, voilà, il faut aussi accepter que les chemins se séparent. Et je dirais que c'est ça aussi votre défi général. Accepter que les chemins se séparent et qu'on ne vibre plus au même niveau. C'est normal, on évolue tous et à différents degrés, de différentes manières. Vous, votre objectif, bah ouais, pointer du doigt, ne vous laissez. Alors, j'avais plusieurs messages tout à l'heure quand elle s'est retournée, je l'ai vu. Déjà, tu ne sais pas vous laisser faire. Ah oui, le message, c'était rétablir la vérité que j'ai eue. Alors, peut-être rétablir une vérité et pointer du doigt certaines personnes qui, derrière votre dos, la trahison, c'est le couteau dans le dos, donc ça se fait derrière le dos. Vous ont peut-être accusé de quelque chose et vous, vous les rétablissez en communiquant que non, 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 on va arrêter les conneries. Maintenant, je vais dire ce qui s'est passé réellement. Vous voyez, il y a un gros quiproquo, un gros couac et ça va tourner là-dessus. En tout cas, vous aurez l'opportunité d'avoir presque une main chanceuse. Ça va tourner quand même en votre faveur, cette histoire. Même si ça va vous déstabiliser, remuer vos émotions, mais c'est encore une fois un test. On termine cette année par une dernière petite épreuve, voyons. Et donc voilà, on vous donne quand même cette chance peut-être de rétablir la vérité, cette chance de pouvoir prendre la parole et de sortir peut-être de certains cauchemars, de certaines... des choses qui étaient peut-être que dans votre tête et qui n'étaient pas matérialisées, concrétisées. Là, vous allez sortir de ça. Pour d'autres, on a l'opportunité de réaliser un rêve en partant aussi à l'étranger. Ce qui va vous surprendre, et ouais, il va falloir se protéger. Alors, on a encore une fois cette protection, vous allez vous protéger par rapport à un examen. Alors, quand on dit examen, on a un concours, on peut être sur tout ce qui est examen de santé. Il y a plusieurs choses qui sont examinées, mais peut-être un dossier, presque un dossier qui ressort sur la table, en fait. Et vous allez vous protéger de ça. Vous allez tout de suite mettre le bouclier. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un dossier qui ressort sur la table. Alors, pour certains, j'entends accusation par rapport à un concours, à un examen. Peut-être qu'on va baver dans votre dos en disant, oui, mais lui, il a triché.
Oui, bah elle a monté, elle a eu sa promotion alors qu'en fait c'est moi qui ai fait le boulot. J'étais avec elle ou j'étais avec lui. Voyez, il y a une histoire de, il y a quelque chose qui tombe et attendez, avant de vous redonner le verdict, on va examiner attentivement la situation parce qu'il semblerait qu'il y ait anguille sous roche. Mais vous terminez ce mois, chers amis. Parce que vous allez oser parler, oser rétablir la vérité par la victoire et un compromis. On se met d'accord avec les personnes qui vous accusent. Et voilà. Ok, maintenant on se dit bonjour, au revoir et basta. Non, ça ressemble à d'autres jeux que j'ai eus. Ouais. Là, on est vraiment sur du relationnel. Ça peut être dans le monde professionnel, hein. Mais pas que. Je complète tout de suite avec le Light Seals Tarot. Et ouais, ici, on est en situation de l'ermite. Petite introspection, petit retour à son monde intérieur. Mais cette fois-ci, j'ai la sensation que vous allez réfléchir avant d'agir. Vraiment, il y a ça. Je réfléchis avant d'agir. Allez, c'est parti, on y va. Votre force. Regardez. Là, peut-être grâce à ce contrat, ça vous donne vraiment la force. Ici, d'avancer malgré les obstacles et surtout de vous mettre dans une bulle où vous allez être presque intouchable, inatteignable. Cette fois-ci, j'ai presque l'impression que vous avez reconstruit des piliers autour de vous, alors que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, autre, hein, en fait. Voilà, vous avez réussi à remonter des piliers qui étaient peut-être tombés. Voilà, et donc du coup, ça vous donne la force, cette fois-ci, d'avancer malgré les attaques extérieures. Donc là, il y a l'idée d'être intouchable et d'avoir eu le temps de se reconstruire ici, d'avoir eu le temps de revenir plus fort. C'est ce que j'entends. La faiblesse, page d'épée. En général, moi, cette carte, elle me dit qu'il y avait quelque chose, un projet, quelque chose qui était jeune, quelque chose qui manquait de maturité. On voit qu'il y a les amis derrière. Donc, est-ce qu'il y a une prise de tête par rapport à un projet qui était récent, qui manquait de maturité, dans lequel on s'est peut-être trop pris la tête, j'ai eu plusieurs idées, on n'a pas été entendu, on n'a pas été écouté. Bref, trop de légèreté et peut-être pas assez d'ancrage. Et ce qui me fait dire que on vous reproche peut-être d'avoir trop eu autre chose en tête et pas eu la tête assez dans le guidon sur une certaine situation. C'est vraiment ça que je ressens. Le conseil, bah ouais, il y a quelque chose qui se termine ici, une coupe, donc certainement une relation qui se termine et on vous dit de la laisser derrière vous et de regarder l'avenir. Là, vous laissez un endroit qui est sombre, lugubre. Vous voyez, la coupe, celle-là, elle a pris l'eau. Celle-là, elle est en train de cramer, elle va finir par couler. Donc, on nous parle d'une relation qui se termine et on doit regarder vers l'avant. Et on avance positivement vers l'avant. Sur le défi, vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle d'un choix difficile à faire, difficile à prendre. Il y a deux chemins qui s'offrent à vous, mais vous n'arrivez pas à choisir. Votre cœur balance, vous pesez le pour, vous pesez le contre. C'est pour ça ici que l'on vous demande de prendre de la hauteur pour admirer de plus haut les chemins. Quel chemin mène vers où, vers quoi? Donc, vous devez prendre le temps de regarder attentivement les directions à prendre maintenant. Eh ouais, le 6 d'épée, là, c'est la personne qui a quitté le navire, qui a été mise de côté, qui s'isole, qui s'en va, qui part, tout en étant endeuillée, triste, par ce qu'elle laisse. Vous voyez, elle a eu beaucoup de peine ici, cette personne, tellement de peine qu'elle n'arrive même pas un peu à diriger son bateau. C'est des corbeaux qui la dirigent sur le rivage. Elle a pris ses bagages. Là, c'est la personne qui s'en va. Elle a quitté le navire. Et là, vous prenez bien cette distance. Vous quittez le navire. Voilà, c'est. Là, ici, pour moi, il y a vraiment une relation qui se termine et on prend de la distance avec tout ce qui ne vous convient plus. Ici, accusation. Votre défi, sortir d'un blocage, d'un truc qui était bloqué, qui était peut-être bloqué depuis un moment, dans lequel vous n'aviez pas pu parler. On revient peut-être dessus sur cette situation qui était peut-être bloquée. En tout cas, c'est comme si que vous pouviez presque entamer cette nouvelle vie, mais il fallait que ce point noir-là, je crois que j'ai dit le mot point noir à toutes mes guidances. Ouais, c'est ça. Il y a des points noirs à enlever. Et là, voilà, il est là, votre dernier défi. Il est là, ce dernier blocage. Il va falloir maintenant oser parler. Alors, c'est marrant.
En opportunité, vous avez de nouveau la réussite sur le 8 de bâton. 8 de bâton, c'est aussi une carte de rapidité, mais c'est aussi une carte d'événement, de mouvement soudain. Il y a un extérieur soudain. Il y a l'idée de faire peut-être aussi des alliances. En tout cas, de réagir rapidement à une situation. Et pour moi, vous réagissez comme il le faut. Là, alors c'est marrant, on a eu bouclier, se protéger par rapport à un examen, et vous avez le 4 de pentacle. Ici, c'est une personne qui se met volontairement en retrait pour protéger ce qu'elle a, ce qui lui reste, peut-être ce qu'elle a récupéré. Alors, on peut nous parler d'argent aussi, mais ça peut être par rapport à des projets. Ou tout simplement, une personne. Là, on protège ce qu'on a réussi, pour moi, à reconstruire, à restabiliser. Et voilà, on n'a pas envie de se laisser déstabiliser, on n'a pas envie de se jeter dans la gueule du lion. Ici, on a les pauvres avec les bidonvilles. Et on sait très bien que si on approche trop près, on va se faire dépouiller. Et vous n'avez pas envie de ça. Donc du coup, pour votre propre mental, pour votre propre force, vous prenez de la distance, quitte à prendre la fuite sur certaines situations. Et enfin, vous terminez ce mois avec l'espoir ici d'attirer de nouveau, alors soit quelqu'un, on peut nous parler d'une rencontre qui vous redonne espoir, qui fait vibrer votre cœur, mais aussi d'être attractif et d'être de nouveau désirant. Hein, je ne sais pas comment on dit. D'être de nouveau, en fait, pour moi ici, c'est votre image principalement que je ressens. Et vous gardez espoir cette fois-ci de redorer votre blason, de redorer votre image qui a peut-être été salie. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends, de redorer votre image qui a peut-être été salie. Sali ces derniers temps ou même cette année, et c'est vraiment ça. Là, vous avez l'opportunité de reprendre de la force, de vous reconstruire. Vous quittez certaines personnes qui ne vibrent plus à la même hauteur que vous, qui vous ont peut-être sali davantage, et maintenant c'est bon parce que vous retrouvez des valeurs propres, vous retrouvez vos propres valeurs. Vous avez peut-être même de nouvelles valeurs. Maintenant, vous avez peut-être redoré votre image, et là, c'est ce que je ressens. Vous gardez en tête que on fait tous des erreurs, mais là, vous savez que vous êtes peut-être dans le droit chemin et que maintenant on ne peut plus continuer à vous salir volontairement. On y va par le tirage sentimental et on commence les sentimentales. Bon, j'arrive vraiment plus à parler. On commence par les Capricornes en couple. C'est parti. Alors ici, on peut nous parler de certains, dans certains couples Capricornes, hein, il y en a. Bah, il y a le Capricorne ici qui peut avoir l'opportunité peut-être d'effectuer un voyage d'affaires, de saisir en tout cas une nouvelle opportunité. Mais ça peut être compliqué parce que ça peut demander beaucoup de distance, de prendre son temps. Et voilà, il y a d'un côté, on n'a pas envie de louper cette opportunité, mais d'un côté, en couple, ça peut être compliqué de s'absenter pendant très très longtemps. Deuxième message que j'ai, on verra après avec le Xavam s'il en donne un troisième ou s'il complète. C'est que par le biais d'un déplacement, vous allez vous rendre quelque part, que ce soit en famille, dans une fête, avec des amis. Et là, vous aurez vraiment l'opportunité de mettre à plat certaines discussions avec votre entourage, votre amitié, ou même revenir à une discussion, voilà, revenir à un événement qui a eu lieu lors d'un déplacement, qui a suscité beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété dans le couple. Et voilà, vous allez pouvoir remettre à plat certaines choses. On peut avoir des rumeurs hein, ici. Je ne l'ai pas dit, mais là, on peut avoir des rumeurs. Et vous devez essayer de rétablir la vérité. Encore une fois, j'ai ce mot-là, rétablir la vérité. Et peut-être, suite à ça, une fois que ça va être rétabli dans votre couple, vous allez décider de prendre des nouvelles de cette personne qui balance des rumeurs et couper les liens. Alors, on nous parle ici avec des cacheteries, il y a eu des choses, des non-dits, c'est ce que j'entends, il y a eu des non-dits, il y a eu des mensonges, alors de la part de qui, de vous, de votre autre. Dans tous les cas, ici, c'est compliqué dans un couple, c'est compliqué, ça a été très compliqué. En tout cas, vous aurez l'opportunité ici de réouvrir le lien, le contact, en mettant à plat
Certaines discussions, ouais. On va peut-être balancer que vous avez été trop proche d'une personne, en fait. Trop proche, vous avez eu des gestes déplacés ou affectueux avec une personne, peut-être cet été. Il y a des choses qui ont été balancées là, maintenant. Et donc, du coup, voilà, vous, ce que vous voulez, c'est rétablir la vérité. Et pourquoi pas discuter avec une personne qui balance ce genre de rumeur. Or, rumeur ou vérité, dans tous les cas, vous êtes positionné pour moi. Et voilà, maintenant, stop, on arrête avec tout ça. Donc voilà, ça c'était un message que j'avais pour certains couples. Ça parlera à qui ça parlera. Peut-être qu'il n'y avait tout simplement pas de message pour d'autres ici. Et on termine par les célibataires. C'est parti, Capricorne célibataire sur le mois de décembre 2021. Alors là, c'est quand même assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on voit? Ici, j'ai l'impression qu'il y a des célibataires. Qui vont avoir des propositions d'une personne, d'un ex en tout, ou d'un ami, hein. Voilà, j'ai bien l'homme. On avait un retour d'énergie qui revient, un retour de situation, un retour d'une personne. Néanmoins, vous prenez le temps avant de répondre, avant de parler. Pourquoi? Parce que cette personne, alors ça peut être vous, le jeu est interchangeable, avec qui ça s'est terminé, vous a menti, vous a leurré, vous a berné. Et là, on voit bien qu'on est sur un deuil. Hein. C'est la fin, c'est fini. Même s'il y a encore de l'amour, du désir par rapport à cette personne. Alors, peut-être que c'est vous qui avez, qui avez merdé dans la relation. Et même s'il y a encore de l'amour, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était cette personne-là. Mais en fait, c'est trop tard. Ou inversement, c'est l'autre qui se rend compte qu'il a fait de la blouille avec vous, hein, on va le dire comme ça, qui vous a menti, et finalement, là, il se rend compte que c'est trop tard. Mais vous, vous prenez peut-être conscience qu'il y a encore des sentiments malgré tout, même si vous ne pouvez plus faire confiance à cette personne-là. Allez, on va voir avec Xavam. Bon, il y a quand même des excuses qui sont faites, hein, il y a un retour. Alors, c'est vraiment une personne du passé, parce qu'on parle ici que ça a été le fiasco total. Dans cette relation, pourtant ici vous êtes prêt et prête à relancer un nouveau départ. En tout cas, il y a des excuses qui sont faites. Et il y a peut-être l'idée ici de vouloir se réconcilier. Néanmoins, on a besoin d'indépendance. C'est comme si qu'on voulait, mais qu'en même temps, on va pas reprendre les mêmes erreurs. On va, voilà, on a une relation très, très éphémère. Tu m'as dit que tu voulais construire avec moi, mais finalement, tu t'es barré à la première occasion, une fois que tu avais consommé. Voilà, moi, voilà, j'ai besoin de bien réfléchir. Alors, on peut nous parler d'une amitié ici, hein, d'une amitié qui a été plus si affinité, en fait. Ouais, avec qui ça s'est terminé? Parce que là, on a le deuil sur cette relation. Mais on a quelqu'un, en tout cas, qui aime en secret, qui aime encore. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Quelqu'un qui revient vers vous. Ou vous qui revenez vers l'autre, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'on se dit mince. Mais voilà, là, on ne dit pas que vous allez retourner vers la personne ou qu'elle revient et que ça va être de nouveau ensemble. C'est simplement que là, à cet instant T, c'est comme mis sur stop. Ok, il se passe ça, tu reviens ou je reviens. Je t'aime encore ou il m'aime encore. Moi, qu'est-ce que je veux vraiment dans le fond? Ou qu'est-ce qu'elle veut vraiment dans le fond? Le problème, c'est qu'il y a eu vraiment de la trahison dans cette histoire. Pas sûr que la personne revient ou que ce soit vous, que vous revenez, que vous restez. Eh bien, écoutez, amis Capricorne, si ce tirage vous a parlé, ben, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à vous abonner. En attendant, prenez bien soin de vous.